Bonjour, bienvenue chez moi, ou plutôt dans mon studio, qui est aussi mon bureau. J'aime beaucoup dresser la table dans cet endroit, qui est normalement un endroit de présentation, mais c'est aussi l'occasion de passer un moment privilégié. Mon point de départ, c'est souvent l'assiette. Depuis que je suis enfant, j'étais complètement fasciné par le château de Versailles. Chaque assiette est différente et chaque assiette présente un point de vue différent du parc. Ici, on a le bassin d'Apollon, couple élégant qui se promène tranquillement. Là, une autre vue comme ça, qui est une perspective assez curieuse comme peut en offrir Versailles où tout à coup, tout disparaît. Quand j'ai découvert ce service, je me suis acharné à en trouver les différents exemplaires par différents moyens pour réussir peut-être un jour à l'avoir en entier. Pour accompagner ça, j'ai continué dans l'ambiance un peu fumée, on va dire. Je ne sais pas si ça correspond vraiment à un verre à eau. Je pense que c'est des choses des années 50. Côté de ça, un autre verre pour le vin qui est jaune de chez Baccarat. Porte-couteaux qui sont en cristal fumé aussi. Et puis un ensemble de couverts que j'avais trouvé également au Puce. Et un service de Christophe qui répondent bien à la géométrie des assiettes. Les serviettes peu naturalistes avec des roseaux. C'est ça que je trouvais joli par rapport aux vues du parc du château. Il y avait des correspondances, un écho. Et puis au centre, j'ai fait une chose un tout petit peu hivernale. Petite coupelle de fleurs de chez Buccellati, de solifleurs de chez Christophe. L'oignon est absolument ravissant dans le travail. Où il y a les pelures de la peau qui s'ouvrent. Et puis un petit groupe, je crois, pour le radis, la carotte et le navet. Sel et le poivre, qui sont deux petites cailles en bronze argenté que je viens de trouver sur eBay. Et pour les accompagner, enfin là, ils sont pas sur la table, parce que ce serait avec sans doute un autre ensemble. Je suis assez dingue de cet autre paire de salières, qui sont des pingouins, que j'ai eu la chance de trouver sur eBay. Je vais autant au Puce que sur les sites d'antiquité. Waouh! La table.